Le bachelor sciences des données est une formation qui prépare au métier de la donnée à la fois sur les aspects statistiques et les aspects informatiques. La formation est construite autour de trois blocs de compétences. Un premier bloc autour des compétences statistiques pour l'analyse de données, un second bloc autour des compétences informatiques et informatique décisionnelle pour le traitement automatisé des données, et un troisième bloc autour des compétences liées au monde de l'entreprise, notamment la communication, l'environnement socio-économique, l'anglais, pour la valorisation des données. Le but Sciences des données propose deux parcours de spécialisation, une spécialisation autour de la modélisation statistique qui renforce les compétences en statistique, et une spécialisation autour de la visualisation et de la conception d'outils décisionnels qui renforce les compétences en informatique et en informatique décisionnelle. À l'IUT de Vannes, nous proposons ces deux parcours. Le premier parcours, qui s'appelle Exploration et modélisation statistique, prépare par exemple au métier de chargé d'études statistiques ou de développeur statistique. Le deuxième parcours, qui s'appelle Visualisation, conception d'outils décisionnels, prépare notamment au métier de gestionnaire de bases de données ou de développeur décisionnel. La formation Sciences des données accueille des publics plutôt scientifiques, donc soit des bacs généraux ayant sélectionné des options autour des mathématiques, de la physique, des sciences économiques, mais également des bacs technologiques, notamment issus des filières STMG ou des filières STI2D. Ce BUT est proposé en alternance ou en formation initiale à partir de la deuxième année, quel que soit le choix de parcours. Une force de cette formation Sciences des données, c'est la forte employabilité des diplômés. On a notamment des diplômés qui travaillent dans tous les métiers autour de la santé ou du marketing, et également de la gestion qui génère des données, et sur lesquels on a besoin de personnes compétentes et capables d'aller exploiter ces données. Après le BUT, on peut soit s'insérer professionnellement, aller travailler, ou soit continuer sur des études plus longues, notamment autour de l'informatique décisionnelle, ou aller vers des filières plus appliquées à la santé, au marketing, ou encore aller sur des filières statistiques plus poussées, pour accentuer les aspects modélisation. La donnée est au cœur de toutes les préoccupations, quel que soit le domaine d'application. Les entreprises génèrent des données, les organismes publics génèrent des données. Il faut avoir des spécialistes de la donnée capables de l'exploiter et d'en tirer de l'information dans tous les domaines. Aujourd'hui, un étudiant qui sort de diplômé de la formation Sciences des données à l'IUT de Vannes n'a aucun problème à trouver un emploi lorsqu'il en cherche un ou une formation pour poursuivre ses études. La formation en Sciences des données proposée à l'IUT de Vannes a plus de 50 ans. Pendant ces années, les enseignants et les anciens étudiants ont construit un réseau très dense, très lié aux entreprises du secteur. Elle a une forte reconnaissance dans le milieu de l'entreprise aujourd'hui. Alors osez l'IUT, osez le BUT.